Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, chers amis. Donc, oula, je bourre le micro dès le départ, c'est fou. Je vous rappelle que je dois corriger les hop, c'est la mort. Si on a un, d'accord, peut-être privilégier, bon bah pourquoi pas. Si on peut foutre le bordel, cela dit. Hop. Ah bah bien. Quoi? Bon. D'accord. On a des bons avec nous. Mais non, insiste pas. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais prendre un soldat. Je veux pouvoir me heal, et apparemment je pense que Morka a voulu être offensif heal aussi. On verra bien, advienne que pourra, chers amis. Mais clairement, je pense que lui, c'est un rigolo. C'est la guerre que vous voulez. Ça va. Hop. Il est là. Je veillerai à ce que tu vives. Hop, merci de bien vouloir mourir. Oh, c'est Devoidnem qui l'a eu. Quel dommage. J'ai redit hop. Faut que j'arrête avec les hop. Il faut que je sois un peu plus théâtral, j'ai dit. Bon, pourquoi pas. Soldat, je l'aime bien dans cette méta. Enfin, en tout cas, dans ce mode. Même en dehors de la méta, je l'aime bien. Il est remonté dans mon estime depuis quelques temps. Mais j'ai le désavantage d'être pas le seul à vouloir le jouer. Bon, c'est dommage. Désormais, nous sommes tous des soldats. Je n'ai pas voulu cette guerre, mais je vais y mettre un terme. Merde, je l'ai loupé! Non mais oh! Ah, mais je suis pas heal! Ah oui, parce que mon pote était mort. D'accord. Parce que Anna était morte. Bon, on en était où? Enfin, faut dire, il fait pas trop son boulot, lui, hein. Alors, le petit T-Bag qui va bien, il va se faire grab, non, même pas. Ah, quoique, peut-être qu'il va faire son boulot. Il va mourir avant, je pense. What? Ça va être très rapide, hein. Vous aussi, vous avez une option. Hop les, voilà. Bon, c'est pas grave. C'était pas grave. On repart, chers amis. Ça fait un partout, non? Non, 2 à 1. 2 à 1, forcément. Il serait peut-être temps qu'il repique avec sa tresseur. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. Puis on va essayer de faire du commentary, tiens, on va faire du commentary, enfin je veux dire du commentaire, enfin du commentary, vous savez, enfin je vois ce que je veux dire, c'est déjà ça. Correspondante simplement à, vous savez, commenter la partie comme ferait Ken Bogart. What? Mais comment vous avez fait pour le louper? Oh mais non, mais sérieusement les mecs! Non! Putain, mais je suis tout seul, hein. Oh, mais non, mais... Ah bah oui, Devoidnem, tu peux te barrer, hein. Ah bah Morka aussi, cela dit. Bon, enfin bon, c'est pas grave.
J'aimerais comprendre, sachant qu'il avait été anti-heal, comment ils ont pu mettre autant de temps à buter ce... Ah, et Devoid Name, c'était l'utilité la plus... Oh la gueule, il va pas faire le team kill. Enfin bon, tu me diras, je suis complètement... Bon, c'était moche, c'était très très moche. Bon, c'est pas grave, on y retourne, chers amis, on y retourne. Il faudrait 3 victoires, ça serait cool. Tiens, j'ai un coffre. Pourquoi j'ai un coffre? Level up? Ah, j'ai du level up. Ok, que du caca, merci le jeu. Merci le jeu, ce n'est pas grave. Bon, Mei, d'accord, ok. Ange, je l'ai prise. Il me faudrait, ah oui, il me faudrait la troisième, enfin la deuxième légendaire de Mei, mais bon. Je rappelle que j'ai la Luna et il y a la Chang'e. Je dis ça comme ça, hein. Chang'e. Je sais pas comment on dit. C'est pas grave. Non, en fait, j'empêche qu'elle est pas mal cette couleur là. J'aime bien la couleur. Ça me rappelle vraiment le Yuna dans Final Fantasy X. Sinon, en autre skin. Ah oui, non, ça c'est laid. C'est laid au possible. C'est à celle-ci aussi de. Avec le coq qui est rigolote. Qui est forcément rigolote. Mais enfin bon, ce n'est pas grave. Faites que je ne tombe pas avec les mêmes, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Oh mais non, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde fait la même chose? Pourquoi tout le monde fait la même chose? Ça m'inquiète cette histoire. Ah oui, alors du coup dans la méta actuelle, c'est vrai que Tracer, elle a été remise en top tier, je crois hein, d'ailleurs. Hein. Malheureusement beaucoup de gens jouent. Ah oh, oui, mais il est top tier, faut que je le prenne, c'est un must. Oh la vache, j'ai été violé, mais malheureusement comme la Tracer, elle, n'est pas du tout en train de jouer en équipe, on joue à 2 plus 1. Mais bon, si elle fait le café après tout. Ok. Oh la vache, ça fait mal. Oh, loupé le ult. Le problème, c'est que tu auras du mal à en avoir un deuxième là. Ouais, il t'étend là, oui, effectivement. GG l'équipe. Hein. Donc je sers pas à grand chose en tant que tank. Mais je vais essayer, je vais réessayer. Oh la vache! Bon, on a été counter, complètement counter. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Bon bah vas-y, prends-le si tu veux. Hein. Apparemment, je fais de la merde, mais. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? C'est possible, hein, mais bon. C'est possible. Boom, 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 bitch, get out the way. Nous sommes tous des soldats. Je vais pas vous pousser. Mais je vais y mettre un terme. Ok, bah on y va, écoute. Oh la vache! Où est-ce qu'il est le soldat? Le... Hop, voilà. Bon, on remonte un petit peu dans les stats.
Mais respect. Bon, c'est bon. C'est... On est chaud, ça y est, ça peut repartir. Le seul problème qu'on pourrait avoir à l'heure actuelle, ce serait qu'ils aient réussi à avoir d'autres... Bah, que notre compo actuel puisse être full counter, ce que j'appelle moi full counter personnellement, c'est que dans leurs personnages principaux, ils aient des counters. Donc par exemple un Reaper, mais bon là c'est pas... Ou alors, pas... il a beaucoup de counters, comment il s'appelle, Rodog maintenant. Ça pourrait être une diva. Même moi, ça pourrait une diva par exemple en face, là pourrait foutre la merde dans notre équipe. Ah, ils ont un... Raté. Raté. Hop. Hop, voilà. Problème résolu. Ah, je dis trop de... Hop. Ça va pas. Non, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné, chers amis. Je suis désolé, je n'ai pas gagné. J'ai dit trop de hop. Beaucoup trop de hop. Ok. Hop, grosso modo, il n'y a pas vraiment quelque chose qui mérite un GG. Voilà. Bon, c'est une première victoire, chers amis. On y retourne. Faut que j'arrête de dire des hop. Je sais que je dis énormément hop dans tout ce qui est jeu de tir. Et faut vraiment que je règle ce problème. Non, merci. Non. Je veux dire non, pas du tout. S'il te plaît, merci. Donc il y a eu une amélioration sur le PTR actuellement qui est faite pour Bastion principalement. Bastion est corrigé. Il aura maintenant à la manière de Diva justement sa régène sur le clic droit là où est la protection de Diva. Classique. Mais justement aussi encore plus proche de Diva, il aura une barre qui se rechargera et se déchargera pour se healer. Ce healer maintenant n'arrêtera plus le personnage. Il pourra se healer en se déplaçant et il pourra se healer continuellement, même en prenant des dégâts. Ça, le fait d'être mis en tourelle, déjà, au lieu de prendre 1 seconde 5, prend plus qu'une seconde, donc ça va encore plus vite. Il n'a plus d'armure... Non, ça c'est dans l'armure, c'est autre chose. Il est en constante full spread, c'est-à-dire qu'il ne sera plus aussi précis qu'il ne l'est maintenant. Et il n'a plus de critical damage, donc c'est-à-dire que tous les headshots que vous mettrez ne seront plus en headshot, pour réduire la quantité de dégâts que parfois lui pouvait faire. En attente. Pour ce qui est du mode ultime, enfin son ulti, le mode canon, il ne sera plus du tout, et je répète, plus du tout, en armure. Il n'aura plus d'armure, je crois que c'est l'armure, hein, si je ne me trompe pas, hein. J'espère que c'est pas avec le bouclier que je me trompe, mais en tout cas il n'en aura plus. Voilà. Voilà principalement pour ça. Alors... son chargeur a été aussi augmenté de 200 balles à 300 balles, si je me trompe pas. Où est-ce que tu en as ? Putain, mais tu pourrais bien m'attendre, toi, ou pas ? Pff. Je commande des choses. Hop. Hop. Collons lui au cul. Je suis encerclé. Allez. Merci. Salutations. Ok, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Oui, bah, je vais reprendre elle si. Ça dépend de ce qu'elle prend. Il y a un mec qui passe au-dessus de chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas moi! Falcon. Ok, bah du coup plutôt un heal de groupe. Groovy, baby. Rien de tel que de la musicothérapie. Place au combat.
Salut mon Max. Un soin parfaitement calé. Sniper, vous faites pas avoir. Éliminé. Dégage. Hop. Hop. Non, pas de hop. Marcus, arrête avec tes hop. Reste à portée, l'ami, reste à portée. Soyez sur vos gardes. Où est-ce qu'il est? Tu es un peu trop offensif. Merci. Un peu trop offensif. C'est vrai que je suis quand même ricraquant en termes de heal. Faut que j'arrête de dire hop, je suis désolé. Faut vraiment que j'arrête de dire hop. C'est une nécessité. Non, là je suis désolé, je peux pas. J'ai pas de raison de heal un sniper dans cette partie. Puisque s'il pique sniper, normalement, enfin moi c'est mon avis, s'il pique sniper, c'est pour faire du one shot. Au moins un one shot. Pour réduire la. L'équipe adverse. Je suis là. Un petit coup de fouet. Wow! Wow! Et la Symmetra, t'aurais pas pu la tuer! Enfin là, le snipe moyen là! Avant de le dire. Oh! Oh la vache! Critical hit! Voilà, ça t'apprendra! Alors, on peut. Alors, ça c'est vrai, chers amis, ça je suis entièrement d'accord avec ce principe-là. Dans cette. En fait, dans cette méta, un Rodog ne doit jamais se heal devant une D.Va. Puisque le critical hit de D.Va en shotgun, enfin, aussi près, c'est même pas. C'est abusé, c'est complètement abusé. C'est complètement abusé. Donc ouais, non, ça c'était pas la meilleure des idées qu'il ait eu. Ok, parfait. Donc nous avons toujours pas de boîte supplémentaire. On en est où? On a 17 minutes, donc je peux encore en faire une, c'est pas grave. J'en refais une, j'aimerais juste que... Non, voilà. Merci. Bon, ça se passe plutôt bien. Il faut vraiment que j'arrive à corriger ces hops, chers amis. Hein. Je sais que c'est casse-couille. Il faut vraiment que je me rende dans la tête du personnage ou que je me mette dans la partie comme si j'étais moi le personnage. Le personnage, c'est Marcus venu dans la partie. Et je ne sais pas. Nous allons bien voir. De toute manière, je ne compte pas rejouer il cet épisode, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, on a Gérard le Manchot. Gérard Manchot. Oh putain. Ah bah mon ping est redevenu normal finalement. Enfin, si normal il était. Et après, il faut absolument que j'aille mettre les vidéos en ligne. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est génial, tu es intimidé, tu aimerais bien l'embrasser. Je suis pas sûr que ce soit ça. Oula, double tank. Plus bonus. Gérard. Oui, c'est moi. Hop. Ah mais merde. Y'en a pas pour me couvrir! Ah. Oui. Bah, en même temps, tu m'as pas mis la bubule. Ah, je te voyais pas. Ah, bah, j'étais toujours avec vous, hein. Je... Ah, je sais, mais y'a un outil qui s'est mis devant moi. Ah! Ah, Gérard. Préparez-vous au combat. Choisissez votre... C'est pas bien de troll, Gérard. Putain. Bon, allons-y, c'est pas grave. On a un Gérard avec nous. Pauvre homme.
s'appelait Gérard. On mettra la bulle sur Marcus. Parce qu'après, il est pas très content. Ne cesse jamais de te battre pour ce que tu crois. Bah, c'est surtout que je meurs très très vite avec un sniper en face, quoi. Marcus, tu me fais peur quand tu es en colère. Je veille sur toi. Un petit coup de pouce. Derrière! Il y a comme un mur entre nous. Ah. Ok, bon. Racer et chauffeur étaient lourds, mais je fais grave. Oh. Ouais, c'est quand même pas top tout ça, hein. Moi je reste pas avec Gérard. Moi je reste pas avec Gérard. T'es un peu con à t'avoir suicidé avec la bouboule. Au combat. Choisissez votre héros. J'adore les tanks, c'est vraiment les meilleurs joueurs, je suis meilleur avec. Allons-y. Fatal. Marcus bonus, il parle. 3, 2, 1. Place au combat. Point décisif. Vous allez kiffer! Oh, je suis mauvais avec Lucio, c'est violent. Ok. Oh mais non, mais meurs pas. Hop. Ok. Bon, ça se passe assez mal. J'ai redit hop, désolé. Ok. Eh ben reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Hop. Ok. Hop, j'ai fait le con. Oh, t'es sérieux? Mais bouge! Pourquoi je joue avec des trolls? Putain, mais bute-le! Bute-le! Oh! Mais non, mais! La meuf a deux fois son ult, j'aimais pas le manifo. C'est dire avec. À quel point tu es bon avec tes tanks. Oui, c'est vrai. Enfin bon, c'est pas grave.
Question, quand t'as rajouté Manchot, ton pseudo, c'est parce que tu joues qu'avec une main ou... Marcus bonus, parce que t'as une chaîne bonus sur YouTube, c'est ça? Enfin, genre... C'est ça. Ça peut être bien, hein. J'irai m'abonner à ta chaîne si tu veux, c'est pour cool. Oh merde, j'ai chié. Et puis au fait, Manchot, en fait, c'est quand t'as pas de main, Marcus, que je... Oui, je sais, justement. Mais comme je préfère ne pas imaginer que t'es un handicap... On a un troll. On a un gros troll. J'ai pas un robot, un truc avec du heal, un robot, tiens non. Hop, moi je vais jouer avec un heal. Parce que moi ça m'intéresse pas de... Moi je vais changer de catégorie, je vais prendre un défenseur. Une réaction marquée bonus. Peut-être que vous allez le poster sur YouTube, je préfère mettre du gameplay de qualité. J'ai jamais compris à quoi il sert le chiffre de bas. Réveillons-nous, chers amis, parce que là, moi, je suis en train de crouler. Rouler sous la connerie. Non, c'est pas possible. C'est trop bien. Je suis meilleur avec la perso défense. Vous croyez quand on va gagner une manche. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand on va gagner une manche, à mon avis, avec un perso offensif, il va dire je suis le meilleur avec les persos offensifs aussi. Quel dommage. Quel dommage, chers amis. Quel dommage. Il s'est même pas retourné, hein. Bon, c'est pas grave. Il rate. En tout cas, les persos offensifs, c'est pas ton fort, hein. Chers amis, fuite. Bon, alors ces deux-là, ils étaient magiques. Donc on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!